Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder comment donner des privilèges à un utilisateur distant, donc de notre serveur MariaDB ou MySQL. Alors notre serveur, il a pour adresse IP 192.168.0.46. Sur ce serveur, il y a une base de données qui s'appelle Ma Banque. Notre utilisateur distant, donc qui existe déjà, c'est Tania. Elle a le droit de se connecter à notre serveur depuis l'adresse IP.19. Alors nous, ce qu'on va regarder, c'est comment lui donner des privilèges, c'est-à-dire comment lui donner certains droits sur la base de données Ma Banque. Et puis on va lui donner d'ailleurs tous les droits. C'est-à-dire qu'elle aura le droit de consulter le contenu de cette banque, également de rechercher des infos avec un select, d'ajouter des données avec un insert, de supprimer des données avec un delete, etc., etc. Donc dans un premier temps, ce qu'on va regarder, c'est sur le serveur comment on peut lister les comptes, vérifier que le compte de Tania existe déjà. Après, on va regarder les privilèges de Tania. On va lui donner les privilèges sur la banque, vérifier au final que tout ça s'est bien déroulé. Allez, c'est parti. Donc là, on va sur le serveur de la base de données. Donc sur ce serveur, il va falloir se connecter donc avec un compte qui permet de donner les droits, les privilèges, un compte root quoi, ou administrateur. Donc moi j'ai mon compte qui s'appelle Superwoman. Il se connecte. Alors, la première chose, on va commencer par lister les utilisateurs, donc pour vérifier que le compte Tania existe déjà. On fait un petit check pour commencer. Donc voilà, MySQL. SQL.user. Et après, on va se limiter aux utilisateurs qui peuvent se connecter depuis l'hôte, donc 192, 168.0.19. Voilà. Donc je fais ça. Donc voilà, Tania existe déjà. Alors après, on va regarder les droits que Tania a déjà. Donc c'est une autre commande qui s'appelle c'est showgrants for. Et là, for met donc Tania. At, donc on voilà, donc 192.168.0.19. Donc Tania a déjà des droits, hein, rien que le fait de créer un utilisateur, bah, qu'est-ce que ça lui donne? Ça lui donne le droit qu'on appelle usage, donc ça lui donne le droit de se connecter à la base de données. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter un droit, un privilège qui permet de tout faire sur la base de données. Alors ce privilège-là, donc pour lui donner. On va faire grant, all, c'est tous les privilèges. Alors on donne tous les privilèges sur quoi? Sur une base de données qui s'appelle ma banque et point étoile. Donc ça signifie sur toutes les tables qui sont dans ma banque. Et il faut qu'on dise à qui on accorde ces droits. Donc tout. Et on remet le nom du compte. Alors le nom du compte, hein, il faut toujours un compte en MySQL. Hein. C'est un login plus. Une adresse IP ou un ensemble d'adresses IP. Donc pour nous, c'est une adresse IP précise. Donc voilà, donc on dit qu'on donne tous les droits sur toutes les tables de la base de données Ma Banque à Tania. On va regarder à nouveau les droits qui ont été donnés, hein, donc un showgrants. Donc là, on retrouve bien le droit usage et on a le all privilège sur Ma Banque. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter depuis la machine 19. Sur le serveur avec le compte de Tania. On va aller vérifier que tout est OK. Alors nous y voici. Donc je vais essayer de me connecter avec le compte de Tania. Donc MySQL-U. Donc mon user c'est Tania. On va donner le password et il faut que je précise le serveur de base de données où il est. Donc, mon serveur de base de données il est en 46. Donc, je me connecte, je rentre le mot de passe, je suis connecté. Donc normalement, donc si tout se passe bien, je devrais pouvoir voir ma banque. Alors, la base de données de ma banque. Donc, on va regarder la liste des bases de données auxquelles j'ai accès en tant que Tania. Donc, j'ai mes trois bases, dont la base de données ma banque. Donc, après, bah là, après, je peux utiliser cette base. Hein. Je peux faire un use. Et par exemple, regarder la liste des tables qui sont dans ma banque. Donc, là, j'ai deux tables, j'ai des clients et des mouvements. Donc arrivé à ce stade, donc je suis quand même assez content hein, parce que bah, mon utilisateur distant, Tania, peut se connecter à mon serveur de données, peut accéder
à ma base de données, ma banque, et faire donc différentes opérations sur cette base de données. Donc, comme on a rempli la mission du jour, bah, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.